Maintien notre entretien de mille. Bonjour, bonsoir, merci pour fidélité au intérieur avec chaîne. Je dis assez avec un pile plaisir d'entrer la carrière pour nous porter pour un nouvel épisode là. Donc ça fait quelques temps que nous parlons de santé dans l'entretien de mille et je dis nous parlons de santé, nous parlons de médecine, nous parlons de système santé haïtien, problèmes qui gagnent et comment capable remédier avec situation. Et pour nous parler de tout ça que moi je dis là, nous avons avec nous Freud qui est un étudiant dans la faculté de médecine dans l'université Yavenissi. Avec lui, nous allons parler de deux journées scientifiques que la faculté a organisées jusqu'à 3 avec 4 d'août 2023. Donc, vous-même qui nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner Kounia et cliquer sur la clochette notification pour arrêter aucune nouvelle publication. Avant de recevoir Freud pour nous parler de deux journées scientifiques, nous allons observer un petit peu tout coup, nous allons tout à l'heure. Intérieur avec entretien 2000 et je t'ai annoncé l'introduction de jeudi, on a bien chance pour nous parler de deux journées scientifiques que l'université Yavenissi a bien pour faire dans la date cap 3 avec 4 d'août 2023. Donc étudiant dans la faculté médecine université Sila a décidé mettre problématique qui est dans le système santé a donc pour décider poser questions pour connaître qui ça va capable faire et qui ça l'état ici capable faire. Et pour nous parler de deux journées scientifiques ça j'ai annoncé là bien avec nous Freud qui c'est un étudiant en médecine dans l'université qui nous a dit bonsoir et bienvenue sur plateau entretien 2000. Bonsoir Semi, bonsoir chers internautes et entretien 2000. Donc c'est un plaisir pour nous là aujourd'hui pour nous parler de deux journées scientifiques qu'a fait dans l'université à Vénissi le 3 et 4 août. Mais voilà, donc nous allons parler de deux journées ça y est, en long et en large, mais pas qu'à parler de deux journées ça y est, sans pas parler d'abord de Freud qui est avec nous sur plateau aujourd'hui. Alors normalement Freud c'est un étudiant, c'est un jeune haïtien et qui a étudié la médecine en Haïti, donc en gros c'est ça nous a dit de Freud. Ben voilà, et Freud c'est un jeune qui pour mettre en pile bagaille, donc dans 10-15 ans, donc nous capable gagner Freud comme étant un plus gros médecin. Bon, nous attend à ça. Et dans qui branche la médecine qui intéresse au Freud? Alors normalement moi c'est psychiatrie qui intéresse, donc moi en tant que médecin psychiatre. Donc pour continuer de travailler papa Sigmund Freud. Mais voilà, donc déjà nous souhaitons succès et dans la route ça que vous empruntez. Et là nous c'est pratiquement responsable relations publiques, communauté, faculté, université à Vénissi. Pour nous parler de deux journées scientifiques ça et d'ailleurs lancement était fait et 16 juin qui se passe là, c'est bien ça? Bon oui, nous avons fait lancement journée scientifique 16 juin qui se passe là, c'est juste pour nous présenter le logo journée scientifique université à Vénissi et pour nous te bailler différents sujets avec thèmes que nous avons gagné pour nous débattre pendant deux journées scientifiques ça. Donc tout le monde répond à l'appel, donc on pense que c'était une plus belle lancement journée scientifique pas de gens connaît. Donc n'attend toi 4 août pour nous comme ça bail pour journée scientifique. Mais voilà, donc lancement fait 16 et 3 4 c'est grande journée si on peut dire ça comme ça. Côté que nous avons une chance pour nous poser problème sur le système santé en Haïti. Mais là, et après le lancement, donc, qui ça nous a fait depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui pour capable permettre que deux journées ça capable deux journées qui réussissent? Alors normalement bon côté nous même dans le comité organisateur journée scientifique là, donc nous presque pas dormi pour nous travail ça que nous voulons remettre pendant 3 avec 4 août là. Donc ni au niveau de étudiants ni bodika na faculté de médecine ni bon rectorat université hein. Donc tout ensemble l'école là net a préparé pour recevoir de journée scientifique ça yo parce que commencer sous diverses présentations qui gagnent yo ti moun commencer pas dormi pour étudier pour yo al rouler bête pour yo al parler santé pour yo al parler ensemble avec divers moun former moun ba information etc. Moi même dans tête pam gitan ouais c'est deux journées qui a pris en pile ambiance, j'en va expliquer là la gitan fait impatient pour me trouver dans deux journées ça yo. Et plusieurs facultés dans diverses universités qu'on habitué fait et journées scientifiques ça yo. Donc là c'est première édition faculté de médecine dans université à Vénissi. Pour qui ça c'est connu? Bon, normalement c'est parce que nous a quatre promotions, donc et Égide et
et journée scientifique c'est sous bannière 4e promotion. Donc ça t'a pris nous du temps pour nous te faire préparation pour journée scientifique. Donc ça a demandé un pile concentration pour nous ouais comment nous t'es osé réaliser de journée scientifique et sans vous cacher. Donc si nous te connaissons comme ça bagarre la terre, nous t'a pas va réfléchir avant lancer nous dans question journée scientifique, mais jusqu'à date nous pas qu'à faire battre. Donc n'avancer pour première édition et nous penser que ça pas seulement été première édition, ça pérennise en danger et université à Vénissi question journée scientifique. Mais ça va dépendre de gens première passé. Alors nous même nous tellement confiants parce que nous ouais déjà réussi deux journées scientifiques ça. Donc c'est raison pour laquelle nous même c'est deuxième édition que tu as préparé parce que première édition que tu as réalisé déjà. OK. Donc pour deux journées ça, c'est nous même étudiants qui mettent tête ensemble qui décide de lancer ou du moins c'est faculté à même à la directeur donc qui décide qui dit que faut que nous fait journée scientifique dans l'université à Vénissi. Alors c'est étudiants eux-mêmes qui t'ai pris initiative là pour te vendre projet à et nous t'ai allé auprès du décanat t'ai accueilli nous à bras ouverts et décanat t'ai voyé nous bon rectorat et c'est eux-mêmes qui prennent nous en considération pour réalisation de journée scientifique ça et mon cas dit sans aide recteur à sans aide décanat faculté donc pas t'as gagné journée scientifique parce que premier sponsor c'est eux-mêmes que lié. OK. Donc moi-même m'a essayé font travail qui est capable paraître difficile. Donc mais le capable plus difficile pour que pour moi. Donc on essaie mettre nous jeudi hein, c'est 3 d'août. Donc qui ça me de ouais dans l'université à Vénissi. Donc premier soir on joindre c'est que dans jour 3 d'août là parce que n'a commencé depuis à 9h du matin. On joindre des série de hochers qui viennent chercher depuis devant barrière pour mener nous by différentes salles que n'a gagné. Différentes salles, c'est qui ça? Nous avons une salle de conférence. C'est une salle de conférence divers intervenants que nous avons gagné. Nous avons essayé de parler de problèmes de santé qui gagnent en Haïti. Donc, là, nous passons dans la salle de conférence. Nous avons une salle d'anatomie pour les amis de la science. Donc, nous avons des divers organes qui appellent là et que nous avons des étudiants en médecine qui peuvent aller pour aller bailler sous différents organes. Nous avons différents organes. Est-ce que nous avons un tableau qui affiche organes ou du présentiel même? Nous avons capable de rein, par exemple, le cœur, le poumon. Donc, c'est en présentiel. C'est des vrais organes que nous-mêmes nous avons gagné là pour nous. Nous avons touché? Nous avons touché, okay. Bien entendu. Donc, après, nous avons gagné une salle de secourisme. Et dans la salle de secourisme, les gens, et c'est pour nous former. Bay moun ki si gon moun ki gon problème avan nan la rue donc lor vini nan journée scientifique a venir ici donc wap ka informer pour qu'on aime ki ça pour faire si gon moun ki ta tombé nan moun nan la rue et n'a pas pour faire en premier voilà et n'a gon salle de dépistage. Nan salle de dépistage là c'est diverses maladies courantes que n'a gagné là donc nous même étudiants a venir ici nous prend initiative pour nous dépister diverses maladies ça yo et n'a gagné une salle de nutrition avant pour salle de nutrition donc salle de dépistage là si toutefois on t'a dépisté cancer du sein ou du moins si on autre pathologie là qu'il y a un monde qui vient faire dépistage qui ça suivi à bien. Alors normalement nous même nous parler divers parce que qui ça parce que c'est deux journées seulement n'a bien donc nous pas capable de prendre rendez-vous ensemble avec moun yo pour nous faire mais qui ça n'a fait c'est des séries de maladies qui pi courant que n'a pas tout bail résultat pendant deux journées ça que nous pas dépister pendant deux journées ça. Et sans plus tarder pour nous dire que n'a bien une salle de nutrition. Dans la salle de nutrition, c'est là d'un côté que nous avons joint tout tuyau, tous les légumes, les matières grasses, les boissons, etc. Et des séries d'étudiants qui parlent toujours parler de l'importance suisse, qui ça aliment ça bon et gagne de bon pour quoi là-dedans. Donc, en gros, c'est ça nous-mêmes n'a gagné. Et sans plus tarder, pour nous dire que nous avons une salle de présentation affichée. Salle de présentation affichée, c'est des diverses pathologies qui gagnent en Haïti qui a fait rage. Dans le moment, ça n'a pas rien là. Que nous pourrons laisser regarder est-ce que nous avons des présentations affichées sur des divers tableaux côté que nous pourrons essayer parler de maladies ça de sorte que un monde qui vient dans journée scientifique là il gain au moins une connaissance sur diverses pathologies ça et pour connaître comment s'il t'a atteint de pathologies ça il qu'a traité tête ben voilà donc et panel qui capable gagner donc tout à l'heure tu as parlé de conférence qui va bien donc monde qui débat sur sujet donc est-ce que depuis le premier jour commencer gagner panel pour monde débattre sur des séries thématiques qui lient avec santé. Normalement depuis le premier jour une fois la cérémonie d'ouverture là fini donc n'a un panel d'ouverture là c'est ensemble étudiants université à Vénissi qui pral parler
avant qui pral bailler et sujet yo même yo te fait recherche diverses recherches pour yo et n'a pas différents intervenants nous qui a sorti de l'extérieur ou bien de enceinte universitaire qui pral bailler des conférences sur problématique système santé haïtien. Et intervenant ça n'a pas gain dans quel secteur il a évolué, est-ce que c'est seulement dans médecine qu'a plan ou bien qu'il y a dans l'autre secteur qu'a plan pour parler de sujet. Alors nous-mêmes nous pas seulement parce que si nous a regardé thème là qui c'est la réforme du système de santé haïtien, enjeux sociaux, économiques et politiques d'une mutation annoncée. Donc ou même ou quand on gain une idée que c'est pas seulement médecin que nous va gagner qui va parler de diverses maladies etc. Mais n'a gain des diverses couches dans société là qui pral essayer ouais comment nous ca mettre main en patte là pour faire une vraie réforme dans le système santé haïtien. Donc nous gain différentes couches dans société à que nous visé des économistes, des sociologues, des politiciens même pourquoi pas. Okay. Et là et là on dit mais qui catégorie de monde que vous ciblez et vous faites attention pas citer pièces non. Ça qui passe est-ce que nous beaucoup au niveau des comités nous beaucoup joignons avec monde qui t'a supposé là ou bien c'est juste une stratégie. Alors nous-mêmes c'est parce que nous pas voulez promettre ça nous pas cabaye parce que nous attendons à des inconvénients de dernière heure. Donc c'est dans optique ça qui fait nous pas citer nos divers intervenants que nous avons gagné de façon à ce que si nous avons un empêchement pour leur journée arriver pour c'était pour tel invité ou t'es venu et puis boum invité à pas venir. Donc nous-mêmes pour nous pas décourager monde qui gagne pour participer ensemble avec nous dans le journée scientifique là nous arrêter à l'école pour nous pas citer nos monde même penser avant journée scientifique yo n'a gagné un panel yo divers panel yo mais c'est la veille journée scientifique yo. Donc ce sont des personnes qui appellent là directement nous connaît que c'est pas bluff que y a pied c'est ça qui fait n'a bail panel yo veille journée scientifique yo. Ouais ça comme normalement dans le gagne de monde qui gagne doit plus ça et venir dans journée scientifique là c'est en fonction de yon personnalité publique son est de yon monde en telle classe que li veut poser leurs questions veut tendre à ville sur sujet ça doit ça qui doit inciter yon monde venir. Donc comme on dit la veille n'a baili donc c'était une pas trop tête on pas faire mon patienter trop non parce que nous même dans comité organisateur là nous a veiller parce que n'a veiller pour nous voir comment nous ca pas faire public nous en souffrir parce que là nous dit la veille donc une semaine d'avance on pense tout intervenant nous yo n'a et public là quand on connaît qui est ce qui intervenant nous pendant une semaine avant journée scientifique yo. Nous avons fait une promesse là, il y a une semaine pratiquement avant et activité a cap fait 3-4 d'août dans et université. Il y avait ici donc c'est faculté médecine université c'est là qu'a fait. Donc il y a bien dit nous mais qu'est-ce qu'a bien comme panel et déjà là nous avons dit qui ça qu'a bien activité a bien salle anatomie, a bien salle nutritionnelle, a bien conférence débat, a bien salle dépistage et sauf que nous avons dit c'est a bien jeu marel jouer 4G. Alors qui ça nous-mêmes dans le comité a parce que nous connaissons ça on a besoin ça donc nous mettez des diverses activités sous la couronne pour permettre que si un monde pas ta remet aller dans divers salles nous yo et sans plus sans oublier notre fameuse clinique externe parce que n'a bon clinique externe. Okay. La clinique externe c'est que tout le monde ca vienne consulter gratuit parce que n'a bien divers médecins de divers et services qui a venu by des consultations gratis pour tout le monde net et gain certains médicaments que nous même dans comité nous a veillé à ce que nous bail gratis pour tout le monde qui vienne participer avec nous dans deux journées et scientifique ça yo intéressant donc même qui toujours bien tête au cas formal ou pas un problème ou bien un bagage donc venir dans clinique externe ça donc soit on va venir le 4 ou bien le 3 clinique là pendant 2 jours clinique là pendant 2 jours donc on va venir là l'offre mais veille à ce qu'on vienne bonheur parce que n'a bail carte etc. n'a fait bagage monde senti bon bagage monde senti bon quoi le fait dans université y a venir ici donc me souhaiter que au même qu'on regarder émission capable répondre présent donc soit 3 ou bien 4 ou bien les deux tout donc 3 4 sous capable présent donc on va toujours visiter journée scientifique ça qu'a fait mais là depuis n'a parlé am parole dit sinon que rectorat université a dit qui encourager nous qui sponsor nous pas on parler de institution médicale on pas on parler de ministère santé publique on pas on parler de pièce organisation qui a supporté journée scientifique là est-ce que les fois faire journée scientifique va le supporter le même ou bien.
Alors, normalement, nous faisons appel avec diverses organisations et qui ont évolué dans le secteur médical pour aider nous sponsoriser deux journées scientifiques. Donc, jusqu'à date, nous avons l'attente de réponses diverses organisations. Ben voilà, donc nous espérons que les sponsors, que ce soit organisation non gouvernementale, que ce soit organisation peut-être de base même qui est capable de rejoindre nous, que ce soit le ministère de la Santé publique Maroc, nous contacter les donc l'autre institution qui est dans le domaine de rejoindre nous pour permettre deux journées scientifiques. Ça réussit surtout nous. Dit c'est grande première nous donc nous avons intérêt pour grande première travail un succès une façon pour qu'avec l'autre édition pour permettre que étudier va épanouir plus bien et capable faire plus de recherche tout mais qu'on est en web université a donc nos facultés a nous fait deux journées scientifiques ça yo en pile débat fait donc nous jeunes des propositions etc donc étudiants proposés panélistes proposés qui ça nous va le faire avec donner nous recueillir qui parce que si on parle de résoudre une problématique nous dans système santé hein? Donc l'en fin joine peut-être proposition pour que nous d'avoir résoudre ça qui ça nous gagne comme méthode ou ça nous gagne comme perspective pour que nous avons fait vrai de l'en survivre dans un état. Alors nan, pour deux journées scientifiques ça yo Jean Sodil là donc divers monde qui a gagne pour prendre la parole divers travaux de recherche que surtout étudiants université à Venise a fait. Qui ça nous pas seulement arrêter nous fin organiser deux journées scientifiques dans côté dans contenter nous poster belles photos sur Instagram sur Facebook etc. Non qui ça nous même nous promettre c'est que après deux journées scientifiques ça nous gagner doléances par nous que nous même nous pas porter by l'état avec information que nous recueillir qui ça parce que nous gagnons un sujet que étudiants va travailler sur lui qui c'est le fameux programme Biden donc qui ça qui gagne qui perspective qui gagne dans programme ça par rapport avec différents personnels de santé nous dans deuxième jour après thème ça bien dans premier alors dans deuxième jour dans deuxième jour donc tu as quelque chose pour deuxième jour pas gagne là donc c'est dans deuxième jour donc dans cérémonie de clôture là que nous pral gagne pour nous parler de problème ça qui impacter en pile le système santé haïtien et nous même nous prenons comment qui proposition que nous prenons faire avec l'État pour permettre que bon vraie réforme dans le système santé haïtien. Ben voilà donc déjà entretien 2000 c'est un succès cela c'est ça déjà entretien 2000 habitué et Corée faculté qui a fait journée scientifique ça toujours est que c'est un bagage qui est vraiment important et là nous gagnons université à Venise faculté dans université qui a fait deux journées ça donc ça que nous courir ça que nous appuyer donc déjà c'est un succès et comment nous faisons est-ce que n'importe qui va participer ou bien un groupe de monde nous viser même pour participer alors nous même dans le comité a nous pas viser yon moun spesifik, yon tip de moun et groupe de moun spesifik pou vin participer. Donc nous ouvert porte nou a tout moun ki anvi konnen plus information sou université a Venise, tout moun ki anvi konnen information sou système santé haïtien. Donc m'invite yo nan deux journées scientifiques sa yo pou yo an pile bèt pral roule, an pile et parole pral di donc m'invite tout moun vin participer donc nous pas di c'est seulement pour médecin c'est seulement pour infirmière non nous ouvert porte nous à tout moun toute couche dans société a vin participer avec nous dans deux journées scientifiques ça intéressant et comment entrer en contact avec le comité organisateur alors pourquoi pour entrer en contact avec le comité organisateur là donc yo ka contacter nous directement par adresse gmail nous qui c'est js.fmss.unin@gmail.com et qu'on s'attouille au carré directement par téléphone dans 43 39 65 29 43 39 65 29 il y aura à contacter nous et si vous voulez sponsoriser deux journées scientifiques porte nous grand ouvert pour vous venir supporter deux journées scientifiques ça mais voilà Fred c'est un plaisir de recevoir sur plateau entretien 2000 jeudi pour nous parler de deux journées scientifiques ça qu'a fait dans l'université à Venise que faculté médecine dans l'université c'est là à coiffer donc nous souhaitons nous encore une fois succès donc et puis Kembela Pamoli merci Semi c'est un plaisir pour nous être sur plateau entretien 2000 pour nous te parler de deux journées scientifiques ça donc m'a bay tout monde rendez vous le 3 et le 4 si vous voulez ouais compte qui est-ce qui dé entretien 2000 vinn dans 3 4 août vinn dans journée scientifique à Venise voilà donc vous êtes en pile de Fred ou apprendre de deux journées scientifiques ça pour le fait
très bientôt. Donc, ou même qui est intéressé, vous pouvez contacter Kounia. Donc, vous avez tout ça qu'il y a. Il y a une salle anatomie, il y a une salle nutritionnelle. Même si vous avez une salle nutritionnelle, je vais garantir tout ça parce que faut que moi ça gagne, faut que moi manger. Et salle anatomie, donc ça fait longtemps que j'ai environ organe. Donc, c'est l'occasion pour moi comment rien fait, pour moi comment cœur fait de vrai. Donc, ou même qui est intéressé avec la médecine, qui est intéressé avec système et santé. Donc, venir apprendre plus, venir débattre ensemble avec étudiants dans la faculté et médecine dans l'université Yavenisi. Donc, même qui est nouveau sur la chaîne, donc, abonnez-vous à Kounia et cliquez sur la cloche de notification pour rater aucune nouvelle publication. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour l'autre sortie de Entretien 2000. Restez sur la chaîne, mesdames, messieurs.